Hey hey, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à Gunvain. Okay. Je roule sur mon câble de stick. Oh non, attends. Ah mon dieu. Sors de là petit stick que je ne t'abuse pas. Merci. Voilà. C'était compliqué. C'est beau, c'est pas dessiné en live. Eh ben, c'est comme ça. Et donc, mode roguelike bien sûr, standard bien sûr, et... Allez, on est parti. Comment on joue déjà? Comme ça! C'est petit par... Oh la vache! Allez, un petit cône, ce serait bien, merci. Wouah, c'est un premier niveau ça, t'es sûr? Bordel! D'accord. Ah ça passe, c'est passé. Non. Mais non. C'est moi qui tue les ennemis pas assez vite ou c'est juste beaucoup trop chargé pour un premier niveau? Donne-moi une bombe. Ah non, pas celle-là. Ouais, bah donne-moi une vie. Hein. Punaise. Je les lock pas, ils sont trop loin. Ok. Oup, oup, oup. Ah, je suis pas sûr qu'on passe le premier niveau en intense là. On va peut-être se remettre juste en relevé hein, après. Oui, oui, oui. Un peu ambitieux. Ah, j'ai oublié que je pouvais faire ça quand même. Même si j'ai pas de bombe, je peux quand même faire un petit cancel autour de moi et booster mon tir. Évidemment, c'est ce qu'il fallait faire dans toutes ces phases où je me suis fait démonter la gueule. Allez, je vais voir ça donne quoi sur un mini-boss. Le cône est si petit, je lock pas. Putain, t'es obligé de monter pour locker. Ah, c'est chaud. Ça passe, ça passe. Ouais, les jolies portes. Oh là là, les jolies portes. Je crois que j'en ai traversé une. Hein. Tout va bien. Punaise. Ah, plus d'XP. C'était que du bol que ça passe, ça, bordel. Ça, c'est de la lecture, mais tout à l'heure, je suis passé entre deux boulettes, mais au pif, hein, n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'il faut jouer, hein. Bomba! Ah oui, mais j'en ai pas, des bombes, moi, en fait. J'aimerais bien, à un moment, choper une amélioration qui me permet d'avoir des bombes. On va se remettre en dans la difficulté, c'est beaucoup trop chaud, faut qu'on apprenne le jeu, quand même. Voilà, 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 voilà. Après, je reste peut-être trop en tir soutenu, souvent, et ça nettoie pas assez les... Faut prendre un lock assez tôt dans la partie, je pense. Ça nettoie pas assez les ennemis sur les côtés, et du coup, je me fais submerger, il y a des chances. Après, je reste trop en lock, et du coup, les petits décotés... me charge. Ouais, en roll. Ça passait pas ça. Comment on va choper ce truc? Comme ça, très bien. Après, le tir évasé est pas hyper évasé. Hein. À force de naviguer autour, hein. Normalement ça passe plus. Une bombe! On la connaît pas celle-là en plus, pourquoi pas. Oups. Il y a un truc qui brille là. Je sais pas s'il y a des routes alternatives. Avec des mini-boss spécifiques, genre quand tu pètes un peu les trucs en fond d'écran. Ou... Tu sais, ça me fait penser un peu aux abeilles de Lodonpachi. Et je parle pas du trou last boss. Vas-y, passe. Yes. Ouh. Donne-moi
pas cette bombe. Tu sais quoi? J'ai les bombes. Ah mais non, c'est vrai, c'est à la fin du boss qu'il faut la claquer. Et... genre là. Bah j'ai plus de bombes. au début, peut-être prendre plus d'XP, on va pas diminuer le nombre d'ennemis, franchement. C'est ridicule. Ah c'est con, j'ai pas pu choper de médaille du coup, comme j'avais plus de bombes. À la fin du boss. Go. Parfois, faut savoir serrer les fesses fort. Et ça marche. Si, si, je te jure. Pourquoi pas un tir plus évasé par rapport à ce que je disais un peu plus tôt. L'ennemi qui vient du bas de l'écran et qui s'arrête pas très haut. J'ai claqué les morceaux de bombe pour avoir le boost de tir. Parce que... ouh, ça commence à être serré. Ok. Plein de tirs qui sont juste pas pour moi. Ouais, je comprends pourquoi. Du coup, il y en a qui sont pas pour toi, puis il y en a qui sont pour toi. La vache. Ah, mais ce boss-là, il est affreux en plus. Puis j'ai pas de bombe. Faut faire ça au son pour le lock. Hein. Poup. Et tu lâches. Non, on va pas si bas. Ah, y'a pas beaucoup de boulettes sur les bombes qu'il met, c'est cool. Je sais pas pourquoi on en avait plus la dernière fois. Mais... allez, allez, on va pas se faire en 1000 phases là. On va le démonter. On va essayer. Ah, du coup, j'essaie de monter pour bien le loquer, mais. Ah, allez. Ah, la première phase est toujours longue sur ce boss et très chiante! Je suis à peu près de la bombe là. Mais bon, faut ce qu'il faut pour le buter. Oh, je savais plus comment s'attirer. Coup de bol. D'être bien placé. Ah! Tu me les as posés dessus! C'est relativement injuste. Ouais, t'as vu ce que je lui ai mis? Je lui ai dit que c'était relativement injuste. Oh là 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 là. J'ai tellement envie de claquer ma bombe pour le tuer. Putain. Je n'ai pas du tout aimé cette amélioration qui évasait le tir. C'était merdique pour le boss. On faisait pas de dégâts, ça tirait complètement à côté. On est passé d'un tir beaucoup trop concentré à un tir beaucoup trop évasé. Ah, un juste milieu quand même. Ah, je reprends pas ça. J'aimerais bien une amélioration du spécial qui fait que le cône est plus grand. Là, être obligé de monter pour toucher quoi que ce soit avec le lock, c'est peu utile. Ça le rend relativement peu utile. Et si on est en bas et qu'on lock pas, on tue pas les trucs assez vite quoi. C'est un jeu, il faut monter. Comme Bullet Soul. Ah, un mode roguelike où tu peux pas savoir où vont apparaître les ennemis, c'est chaud de rester à la moitié de l'écran. Oui. Oui, c'est chaud. Mais bon, en même temps, dans les shmups, c'est ça, hein. Faut choper les ennemis dès qu'ils apparaissent pour pas qu'ils te chargent l'écran de boulettes, quoi. Sur les boss, si tu veux aussi faire des dégâts avec ton lock, t'es obligé de monter aussi. Pas simple, pas simple. On va essayer de tuer avec une bombe pour le score, il faut avoir des extend. Et bon. Voilà! Direct à un autre niveau du coup, super. Plus de vitesse, mais un tir moins large. Allez. Les musiques sont cool, hein. Oh, j'aime pas quand c'est aussi serré.
Ça passe, oui, si. Là, ça va passer là. Ok. On va peut-être réussir à passer le premier niveau en jouant. C'est que ça va être le même boss que tout à l'heure. On va avoir un peu moins de problèmes. Mais je l'aime pas ce boss, clairement. Dans les boss qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est celui que je trouve le plus dur. Quand je vois les dégâts que font notre luck quand on lâche à fond sur le boss, c'est ridicule. Oh, mauvais bullet herding. J'ai pas du tout laissé assez de place, connard. Va falloir la prendre par cœur ce boss. C'est que du droite-gauche, faut avoir le rythme du boss. Et sinon, tu te fais enfermer, mais en 2 secondes. Les autres boss qu'on rencontre sur les 3 premiers niveaux sont tellement plus simples. Mais lui, il est vraiment exigeant, quoi. Tu peux pas lire en fait, c'est que l'anticipation. Si t'es mal placé, tu lis l'attaque, mais t'auras pas la place de l'esquiver. Ça sert à rien de faire de la lecture sur ce boss. Enfin, si, faut lire pour apprendre les attaques, mais après, faut vraiment bouger. On est invincible après une amélioration, donc on l'utilise. Voilà, faut utiliser les mécaniques du jeu. Hein. Ok. Franchement, le cercle, je le trouve. Enfin, je sais pas s'il fait moins de dégâts que le cône. Mais j'ai l'impression que la portée est pas inférieure et tu peux tirer derrière toi. Donc, typiquement sur le boss qu'on avait avant. On a eu dans les 2 parties d'avant. C'est vachement bien parce qu'en plus on peut le taper quand il est dans notre dos. Qu'est-ce que je fais là-haut? Le petit cancel du coup, ça ne passait pas ça. C'est que de la chance, c'est mal. On ne joue pas avec la chance, monsieur Juju. Oh bah il se passe rien. Ça fait du bien ces moments où il se passe rien. Ah, déjà fait ce mini-boss. Ah, la bombe. Ouais. Hop. Je vais faire un câlin à celle-là. Je pense que je vais faire un câlin. Allez, bombe. Ah, mais j'ai pas de bombe, c'est vrai. J'aurais pas de médaille. Yeah. Je vais pas mettre plus d'ennemis. Attaque plus 2. Allez. Moins de dégâts sur le lock, mais c'est pas grave. Ah, typiquement, le genre de truc que j'aurais aimé avoir dans les parties précédentes avec le cône. Sur notre boss qui nous a tué 2 fois. Oh, ça sort vite. C'est vous qui faites ça. Ok, je vais essayer de repérer ma tête. Oh, la bombe. Non, elle est partie. Après, elle est bombes pour l'instant. Si, je les utilise pour faire un cancel de boulettes. Enfin, un gobage de boulettes autour de moi. Et un peu de dégâts, mais pas pour le score. Vu que je n'ai pas de bombe. Pas d'amélioration de bombe, pour mieux dire. C'est perturbant ça quand même, de commencer un jeu qui est basé sur les bombes sans bombes. Ouais, ça passe dedans. Fallait le tenter, de toute façon t'étais coincé. Et en lâchant le lock et en étant plus rapide, c'est passé. Ok. T'es qui? Je ne sais plus. Je me souviens que du premier boss avec la Gatling, du coup, je ne sais plus qui sont les autres. Faudrait repasser, merci. Oh, le repassage, c'est vraiment pas mon truc. Des petits déplacements sur celle-là. Ah, t'es content d'avoir le lock pour péter les sous-unités. Ah. Regarde les lignes. Enfin, regarde entre les lignes plutôt. Petit décalage, je crois que ça passait sans. Mais... Bien. Et après, tu fais quoi? Ah ouais, ça c'est facile. Mais y'a rien au milieu. Ah monsieur, faut mettre des trucs au milieu, sinon bah, il se passe rien là. Ah voilà, comme ça. ah bah voilà, là c'est moins facile du coup. Oh là là. Ok. 0 étoiles. Bah ouais, mais tant que t'as pas de bombe, tu peux pas choper d'étoiles. J'ai demandé. Ouais, non, bah. Ce n'est pas le niveau de tout à l'heure. On l'aura en 3e niveau. Je sais pas si la difficulté monte petit à petit ou si juste les 3 premiers niveaux sont un peu
de toute façon toujours les mêmes niveaux de difficulté, et que donc finalement avoir ce boss plus dur en troisième n'est pas un problème. Heureusement que le gros ennemi fait un cancel quand il meurt. Enfin, il annule les boulettes à l'écran quand il meurt. Je peux parler en français. Je te bien coincé. La bombe. Oh. Des missiles, c'est chaud, j'arrive pas à les tuer. Avec mes... avec mon lock. Avec mon verrouillage. On peut parler en français, c'est possible. Je vais faire ça. Voilà. Voilà, pour faire du minage, parce que là, c'était un peu trop le bordel à mon goût. Merci beaucoup. Sinon, c'est quand que j'ai un niveau pour choper enfin une bombe. Allez, trois premières améliorations, on les chope hyper vite, et après, il se passe rien. Ah, le missile qui sort du bord de l'écran à côté de moi, c'est moche ça. J'avais pas vu qu'il était allé par là. Punaise, ces missiles qui viennent à une vitesse vertigineuse horizontalement du bord de l'écran, c'est moche. Ouf. Ok. Nice. Une bombe? Putain, pas de bombe! Alors, tu mets un niveau plus dur ou juste plus d'ennemis? Bah, ça... Je vais mettre plus d'XP, du coup. Essayer de gagner un niveau. Mmh. Deux gros. Pardon, enfin, un PT1. Et heureusement qu'ils annulent les boulettes quand on les tue. Très bien. À moins que les très très gros ennemis qui font ça. Hein. Attention, missile. C'est bon. Je les ai eu, putain, je l'ai pas eu. Non mais les missiles c'est dégueulasse. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Ils sont là sur l'écran, ils peuvent en tirer vers la droite et ils ressortent ici dans ta gueule quoi. C'est chaud. Ok, c'est Viatlin, très bien. Il y a un effet avant qu'il tire, donc on le voit, donc on sait quand on peut passer et quand on peut pas passer. Là je suis devant. Ah, oublie pas que lui il a deux barres de vie, je crois. Mais la deuxième est très petite. Hack. Une vraie bombe, s'il te plaît. C'est tout comme étoile. On a deux doigts d'avoir une vie en plus. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Yay! Life up! C'est bon, on l'a eu avec les bonus de niveau. Très bien. C'est notre troisième niveau ou notre deuxième niveau? C'est notre troisième niveau. Et c'est pas le niveau du boss pourri qu'on a tout à l'heure. On va l'avoir en quatrième? Très bien. Peut-être que le cinquième niveau qui est fixé là. Peut-être que c'est à chaque fois un joyeux bordel. Peut-être quand même que la difficulté monte au fur et à mesure qu'on augmente, ou alors c'est l'amélioration que j'ai prise qui augmente juste le taux d'ennemis qui fait que c'est plus chaud. Je ne sais pas. Ce serait étonnant quand même que la difficulté bouge pas suivant l'ordre des niveaux. Mais bon. Après avec ce système de jauge qu'on peut monter ou diminuer à loisir avec les améliorations, ce serait pas non plus complètement con que ça marche comme ça. Mais bon. Si, c'est le boss qu'on aime pas ce niveau. Ça y est, on est au-dessus des nuages, je reconnais. Le début m'a perturbé. Mais... les trois premiers tournent entre eux. Le 4 et le 5 doivent être fixes. Et le 4 est beaucoup plus chaud que les trois premiers, on l'avait bien vu la dernière fois. Bombe! Et les étoiles! Super. Attaque moins 1, sachant qu'on n'a jamais monté l'attaque. Ça, ça monte l'attaque. Ok, pourquoi pas. Bouclier. Allez, XP. C'est marrant, mon cercle est énorme. Ah, mais c'est avec l'amélioration qui a augmenté le taux d'ennemis, ça a aussi augmenté mon spécial. C'est cool. C'est cool. C'est cool hein, qu'il y ait plus d'ennemis pour qu'il y ait beaucoup plus de boulettes à l'écran. Ça fait plus d'ennemis à loquer et à tuer. Ouais, oui.
sûr. On va passer là-dedans. On va passer là. Deux. Non. Savoureux ce troisième niveau. Ouais, je veux pas voir ce taux-là d'ennemis en difficulté intense. Hein. Ah vache. Bon, on va le battre ce boss cette fois ou pas, tu crois? Putain, il est chaud le con! On peut passer là. Des petits déplacements. Ils ont tiré, je peux passer. Tu vas pas repasser derrière, c'est bon. Allez. C'est bon. Ok. Les deux. Ah, celle-là où il remonte, il en met partout. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense. C'est vraiment un boss de Parker. C'est le seul sur les trois premiers niveaux qui demande du Parker. Mais... Le ton est donné pour le quatrième. Il est chaud! J'ai plus de bombes là. Ah ouais. C'est chaud parce que c'est un boss qui est basé sur l'utilisation de ton spécial. Quoi. Donc tu fais pas du tout tout le combat face à lui. T'es obligé d'utiliser le lock et si t'as pas amélioré ton lock ou que t'as diminué ses dégâts, c'est tout pourri. Ah, ça augmente aussi la portée de mon lock, ça. J'ai pas envie de mettre encore plus d'ennemis sur le niveau 4, sachant que j'ai pas de vie. Enfin, remarque, de toute façon, on va crever à l'arrivée, c'est quasi sûr. Mais bon. Ah, on est à 2000 points d'avoir une vie en plus, hein. On devrait l'avoir dans les bonus. Je pense que les épisodes sur ce jeu seront assez courts, hein, parce que ça demande beaucoup de concentration, et puis ouais, une bonne partie ça dure quoi, un quart d'heure. Ah, mon lock prend tout l'écran, c'est merveilleux. C'est génial. Quand je suis au milieu, je peux bloquer tout le monde. Ça c'est cool, parce que les ennemis arrivent, je lâche, paf, dégage. Tu mets genre deux boulettes et t'es parti. C'est cool. Deux. Peut-être un peu plus. Bon bah, allez. Ah, on sait que c'est le niveau 4 et que ça va être dur parce qu'il y a du piano. Ah putain, je suis passé. Oui. Allez. Bombe ou pas bombe? Pas bombe. Ok, pas bombe. Très bien. Bien joué. Un jour on jouera le jeu avec la bombe, pas pour la survie mais pour le scoring, hein, mais c'est pas tout de suite. Ils sont rapides quand même, hein. Celle-là, ah, c'est sûr qu'à un moment les lignes allaient se fermer, mais du coup celle-là faut être sur le côté. Très bien, c'est vu. Que fais-tu? Que fais-tu? Ok. Du bullet turning sur la grosse grappe en regardant les lignes. Très bien. Plus d'ennemis? Oui! Vas-y! C'est chaud que toutes les améliorations autres diminuent tes dégâts. Ah, la barre, elle est presque à fond, dis donc! Mais quel bonheur! Ah bah ouais, c'est chargé du coup, hein. Ouh là là. Mais bon, on a des vies, on a des bombes, hein. Que demander de plus? D'apprendre à lire, ouais. J'essaye. Oui, en plein dedans. On peut pas traverser une ligne comme ça, je sais pas ce que je foutais. Je crois que j'ai un peu perdu mon vaisseau de vie dans le bordel et... J'ai pas fait le bon moment. Je suis en train de me coincer. Oh, une vie! Ah putain! Je le voyais ce qu'il fallait faire, mais. Je savais plus dans quel intervalle j'étais. On n'est pas prêt d'avoir une autre vie du coup. Hein.
À moins de scorer avec une bombe. Et on va voir le boss, hein. S'il veut bien arriver. J'entendais la musique qui commençait. Je disais, mais il est où? Pourquoi il arrive pas? Ah ouais? Ouais! Très bien. Allez, combien moins la deuxième phase du boss. Je peux pas passer! Je voulais dire que je voulais passer, évidemment. Et que je pouvais passer. Et que je suis passé. C'est quoi ça déjà? Ah ouais. On l'a passé ce boss ou pas? Je crois pas, hein. Facile ça. Ferme ta gueule. Ah ça c'est comme la dernière phase de Monolith, hein. C'est pas plus dur, hein. C'est dense. C'est dense et les trucs en flèche qui font des déplacements latéraux, ça me plaît pas. La boulette suicide sur les trucs qui pètent. Très bien. J'aime bien ce boss. Beaucoup plus que celui du troisième niveau. On est loin de la vie supplémentaire. On est tellement loin. Niveau 5 et dernier niveau a priori. Hein. Alors la barre d'apparition du taux d'ennemis a diminué, je suppose que c'est parce que j'ai perdu une vie. Je me suis dit, non quand même là c'est peut-être un peu trop pour toi, redescends. Oh, je suis pas précis dans ces déplacements. Ah bah écoute, ce sera notre corps. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice, joue à Gunvayne. Oh. Non, un jour on jouera en mode normal, mais moi tout seul en off, pas en vidéo. Ou un jour je ferai le 1CC peut-être sur le jeu de base, juste comme ça en épisode bonus. Bref, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Rogue Justice, Joue à Gunvayne, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.